Après la hausse de la taxe sur l'immatriculation au milieu de semaine, c'est la taxe sur l'essence qui a fait jaser à Québec. Valérie, le maire de Québec là, accuse la CAQ de lui avoir fait une jambette. Oui, clairement, de lui mettre des bâtons dans les roues en coulant de l'information aux médias. Alors, Véronique, je reviens dans le temps avec vous là, pour qu'on comprenne un peu ce qui s'est passé. Milieu de semaine, la Ville de Québec annonce cette hausse de taxes sur l'immatriculation. En souvenez-vous, dès le 1er janvier prochain, ça va tripler, ça va passer de 30 à 90 $, notamment pour financer le transport en commun. Et là, on a appris le lendemain que la CAQ allait refuser une hausse de 3 cents le litre pour les automobilistes de la région de Québec. Encore une fois, notamment pour financer le transport en commun, comme si c'était le souhait finalement du maire de Québec. En fait, c'est qu'il y a eu donc une réunion des ministres donc, de la CAQ mercredi. Et ce qu'on a appris, là, c'est que la CAQ a rejeté cette possibilité d'imposer une taxe sur l'essence aux automobilistes de Québec. Ce qui a été ébruité, c'est que les élus caquistes ont pris cette décision après une demande formelle du maire de Québec. Alors là, on se pose la question, est-ce que le gouvernement tente de lui faire porter l'odieux des hausses de taxes? Le maire de Québec, lui, répond qu'il n'y a pas eu de demande formelle, en fait, qu'il y avait seulement eu quelques discussion. Bref, le maire de Québec est vraiment furieux contre le gouvernement Legault. On peut l'écouter, suivi des partis d'opposition ici à Québec. Ça illustre clairement leur position de dire on le fera pas, on n'a pas d'argent. Puis en plus, si on peut faire une jambette au maire de Québec, on va le faire. C'est pas une décision du maire de Québec, la taxe sur l'essence. C'est une décision qu'on avait à prendre et qui n'était pas prise ensemble, les maires des communautés métropolitaines de Québec. Alors, la réunion va se tenir jeudi prochain, mais on sait que cette demande-là devait avoir dans nos analyses, dans nos intrants, on devait savoir si le gouvernement allait nous dire oui ou non, parce qu'on doit demander la permission à papa. Papa nous dit « je le ferai pas ». Je trouve effectivement que le maire agit comme quelqu'un qui a un complexe de persécution, c'est que c'est toujours de la faute des autres. T'sais, c'est pas de sa faute s'il faut qu'il augmente une taxe. Les gens sont écœurés de payer, excusez-moi l'expression, mais c'est ça. Il y a un mécontentement général par rapport à la façon dont le maire gère... Les flux des prix de l'essence, 3 cents, c'est rien. Donc, oui, je pense que ça vaut la peine. Actuellement, la majoration de la taxe sur l'essence, ça s'applique pour la région métropolitaine de Montréal, également Gaspésie, Île-de-la-Madeleine. Bref, est-ce que ça pourrait être aussi le cas ici? Il y a cette rencontre prévue la semaine prochaine. Merci Valérie, à tout de suite. À tantôt. Le ministère des